Merci beaucoup, Jessica. Avant de commencer, je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe pour l'accueil chaleureux et Alexandra et Gina en particulier pour toute l'aide apportée. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une œuvre anglaise, canadienne, anglophone, mais je ne sais pas si tout le monde comprend l'anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit toutes les citations anglaises. Sauf celle de l'œuvre littéraire elle-même, mais je vais projeter les citations originales. Et si cela ne vous dérange pas, le français n'étant pas ma langue maternelle, je propose de répondre aux questions en anglais si je ne trouve pas mes mots, mais vous pouvez poser vos questions en français, bien entendu. Alors. Tout ça en fait, comment ça fonctionne. Ok, merci. La locutrice de Knox Dan Carson commence son récit avec les mots suivants. I wanted to fill my elegy with light of all kinds, but death makes us stingy. There's nothing more to be expended on that, we think. He's dead. Love cannot alter it. Words cannot add to it. No matter how I try to evoke the starry lad he was, it remains a plain art history. So I began to think about history. Donc, c'est probablement l'œuvre la plus connue de Carson et aussi celle qui a reçu le plus d'attention dans le monde de la critique littéraire. Et cela est sans doute dû à la conception visuelle de l'œuvre. Même si je dois immédiatement ajouter une seconde dimension, le support matériel. En effet, selon la quatrième de couverture, Knox est à la fois une épitaphe et une élégie sur la mort du frère de Carson, Michael, avec qui elle n'avait plus de contact lorsqu'il mourut en 2000. Knox n'est cependant pas une élégie classique, car l'œuvre est conçue comme un leporello ou un livre accordéon enfermé dans une boîte. Elle est constituée de reproductions de photographies, de lettres, de timbres, de morceaux de texte dactylographiés, souvent numérotés, de collages, de dessins et d'entrées de dictionnaire. Le point de départ de l'œuvre est, en effet, qui étais-tu? Who were you? Et cette recherche métaphorique de Michael est accompagnée tout au long de l'œuvre par une traduction du poème 101 de Catulle du latin vers l'anglais. Poème que l'auteur romain avait lui-même écrit en réponse à la mort de son propre frère. Selon la lecture généralement admise de Knox, cette pratique de traduction reflète le processus de deuil, puisque les deux, donc le texte original et l'être cher perdu, ne peuvent jamais être entièrement saisis. En général, Knox a été reçu très positivement, voire applaudi. Greg Morgenthaler, par exemple, qualifie l'œuvre, je traduis, d'époustouflant, preuve d'une édition visionnaire à une époque où le monde du livre est de plus en plus cynique. Dans le sillage du material turn en études littéraires comparées et de l'attention accrue portée à la matérialité de textes papier et numériques, d'excellentes lectures matérialistes de Knox ont été proposées, comme par Lideke Platt. On peut résumer les prémices de ces lectures matérialistes sur base de l'appel convaincant de Catherine Hills à étudier différents textes également sous l'angle de leur matérialité. Il est peut-être temps de penser l'impensable, de poser une notion de texte qui n'est pas dématérialisée et qui dépend du substrat dans lequel elle est initiée. Au lieu de toujours remettre en question la fiction de la dématérialisation, pourquoi ne pas explorer les possibilités de textes qui s'épanouissent dans l'enchevêtrement de la physicalité et d'une structure informationnelle? Et je voudrais prendre ces lectures matérialistes comme point de départ pour m'interroger sur les implications de la matérialité de Knox quant au statut de cette œuvre littéraire. Compte tenu de son substrat matériel et du contenu documentaire, des photographies et autres documents numérisés, quel type de récit est alors communiqué dans Knox? Et le mot récit est-il approprié pour désigner l'œuvre littéraire en question? Cette question n'est manifestement pas si simple, puisque l'œuvre a reçu de nombreux qualificatifs dans la littérature critique, comme conceptual poem, art book, brief work,
Quasi Artist Book, Camp Object, Accordion Style Postiche of Fragments et Long Poem Epitaph. Et ces différentes étiquettes révèlent la tension cruciale qui traverse Knox en vue de répondre à la question épineuse autour du frère, qui étais-tu? Donc, on peut retrouver deux façons d'aborder l'œuvre, une approche plus affective ou une approche plus rationnelle. Et également, l'œuvre est caractérisée par les tensions suivantes. Carson comme sœur ou comme professeur, comme auteur ou comme créatrice objectif, sentir ou penser, carnet affectif ou réplique dématérialisée, base de données ou récit, œuvre durable ou fragile. Et pour donc comprendre la réponse de Carson à la question du « qui étais-tu », il est nécessaire de se demander à quel genre de texte nous avons affaire avec Knox. Donc, pourquoi avons-nous du mal à catégoriser ce texte? En d'autres termes, quelles prémices Carson savent-elle dans Knox? Pour mieux comprendre le statut de Knox, notons d'abord que Carson elle-même invite à une lecture dépersonnalisée de son texte. Donc, je traduis. Il ne s'agit pas de deuil, il s'agit de comprendre les autres et leurs histoires comme si nous étions tous des langues distinctes. C'est ce que j'essayais d'explorer. Explorer le deuil aurait fait ce livre un livre sur moi, et je ne le voulais pas. Michael était une telle énigme. Je pense en écrivant et je voulais un moyen de penser à lui. Plusieurs critiques ont en outre noté que le statut matériel de Knox en tant que version numérisée d'un carnet intime soulève des questions sur les livres dans notre culture numérique, sur l'intimité feinte, sur la dématérialisation et sur la perte, tant du carnet original que du latin, et bien sûr de Michael lui-même. Pourtant, surtout à la lumière des propos de Carson dans la citation précédente, il est curieux que les critiques ne soient pas plus nombreux à remettre en question le contenu soi-disant autobiographique de ce texte. Après tout, Carson est connu pour égarer le lecteur. Sarah Tondero note à juste titre qu'alors que l'album original était un projet personnel, j'ai fait une épitaphe. La réplique fait partie d'un processus collectif, aussi proche que possible de l'original, impliquant d'autres personnes, c'est-à-dire une maison d'édition, un éditeur et surtout le partenaire de Carson, Robert Curry, qui est crédité dans l'œuvre pour avoir aidé à la conception et la réalisation du livre. La différence entre le « je » et le « nous » est cruciale car elle souligne la tension dans l'œuvre entre le scrapbook original en tant qu'objet de la mémoire personnelle, donc un artefact unique, artisanal et fait à la main, et la réplique en tant que produit collaboratif soumis à la production de masse et destiné à la consommation publique. Mon hypothèse est donc qu'en proposant au lecteur une réplique numérisée d'un carnet personnel, la friction entre l'ordre matériel ou analogique et l'ordre numérique des images, ou ce que Kine Brillenburg-Hurt appelait une image d'un texte sur papier, soulève des questions sur le statut de Knox comme supposée représentation de la vie de Michael. Ce Leporello n'est donc pas seulement une reproduction numérisée d'un ouvrage matériel, mais représente aussi une des nombreuses histoires que l'on pourrait construire sur lui. Sur un plan plus théorique, j'émets donc l'hypothèse que la reproductibilité technique, telle que nous la connaissons depuis Walter Benjamin ou plus récemment dans l'œuvre d'écrivains conceptuels connus pour leurs mots de citation et d'appropriation tels qu'étudiés par Marjorie Perloff notamment, relativise les prétentions à la vérité en soulignant le droit d'existence de différents récit. Et cette intangibilité de l'objet, Michael en l'occurrence, amène la locutrice de Knox à réfléchir sur l'historiographie. Knox n'est donc pas seulement une œuvre biographique ou autobiographique, mais aussi une œuvre qui réfléchit explicitement sur l'historiographie à travers des historiens tels qu'Hérodote. Cet aspect métafictionnel joue un rôle important dans Knox, comme illustre déjà les premiers vers. Ainsi, la locutrice ne tarde pas à nous dire que son frère refuses to be kept in her transactional order. To put this another way, there's something that facts lack. Pour nous informer ensuite que we want other people to have a center, a history, an account that makes sense,
We want to be able to say, this is what he did and here's why. Gillian Z relie cette problématisation de l'histoire à la différence entre une base de données et un récit. Donc, je traduis, la tension entre la tâche de construire un récit possible et la résistance de l'œuvre à une histoire exacte et singulière est au cœur de Knox. Si Knox est un récit, a narrative, alors la mort de Michael est un événement culminant qui, après coup, donne un son aux événements discrets de sa vie. Si Knox est une base donnée, alors la mort de Michael est une entrée dénuée de son qui n'a ni plus ni moins de signification que tout autre événement fragmentaire. J'ajouterais que cette tension entre un récit et une base de données est liée à la tension cruciale au sein de Knox entre l'ordre matériel et l'ordre numérique. Les éléments d'une base de données numérique peuvent en effet être combinés et manipulés, alors qu'un récit qui est enregistré dans un livre papier ne peut en principe être modifié. De cette façon, un récit bien déterminé est confronté à différents récits modulaires partant de la base de données. Z relie cette tension entre une base de données dénuée de sens et un récit significatif au processus de deuil personnel de Carson. Je pense cependant qu'il est plus approprié de décrire Knox comme une archive personnelle, ce qui nous permet d'exclure des lectures autobiographiques problématiques comme évoqué précédemment. D'autres critiques comme Pillenburg-Wurt décrivent également Knox comme une archive. Knox met en scène la matérialité de la page comme une matérialité derrière une vitre. L'œuvre archive et préserve sa propre matérialité de papier comme un livre souvenir fait à la main. Cette archive, ou plus précisément en regard de sa dimension visuelle qui nous intéresse pour ce colloque, cette iconothèque personnelle peut fonctionner comme maintenant cette tension, ce jeu. Une base de données brute, objectivée et remplie de faits serait finalement dénuée de sens, comme le soutient Z, et un récit structuré revendiquerait une certaine vérité que Carson elle-même ne possède pas. En effet, le frère et la sœur étaient brouillés depuis longtemps, donc, la quête de vérité de Carson est compliquée par cet éloignement. Sous cet angle, Jocelyn Parr compare Michael à Lazare. Je vois que... Bon, ok, c'est pas grave. A person who had to die twice. Le garçon Michael, qui était devenu vieux avant sa jeune sœur, vieux avant son temps, est mort et est devenu quelqu'un d'autre, renaissant peut-être dans un endroit où quelqu'un pourrait le voir. On pourrait donc affirmer, suivant Tanis McDonald, que Carson, avec cette iconothèque publiée et dès lors commercialisée, viole le désir privé de Michael en collectant des objets sur sa vie et en commercialisant cet album. De plus, à un niveau plus fondamental, la recherche de la vérité est problématique dans une perspective post-structuraliste. Christine Wiesenthal va dans sa lecture de Knox encore plus loin en reliant ses objections post-structuralistes un projet déconstructionniste dans lequel Carson, avec Knox, déconstruit la fiction d'un moi cohérent, à savoir le frère qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut pas apprendre à connaître sur la base de données uniquement. Les objections tant post-structuralistes que familiales aux revendications de vérité essentialiste vont donc de pair ici. Et Knox se trouve ainsi dans une situation paradoxale. Les faits de la base de données, qui sont de toute façon insuffisants, ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Il faut toujours une certaine dose de narration. Mais en même temps, l'œuvre ne peut pas faire de cette seule histoire racontée dans Knox la vérité. Et selon Tanis McDonald, la force de Knox réside précisément dans cette problématisation d'un concept de vérité. La force du livre ne vient pas de son authenticité, mais de son défi à la véridiction rigide et de sa méfiance tacite envers la capacité de narration des objets. McDonald comprend ici la notion de véridiction au sens où David Shaw l'entend, c'est-à-dire comme un paradoxe où une revendication de vérité est niée tout en offrant une vérité privée dès lors que le matériel à portée de main est consciemment manipulé et interprété. On pourrait donc dire qu'en déployant cette iconothèque personnelle, dont les images reproduites sont cruciales pour problématiser un paradigme documentaire ou véridique.
Carson fournit paradoxalement une représentation plus véridique de la vie de Michael, en reconnaissant qu'une vie humaine ne peut jamais être capturée objectivement, qu'elle est toujours un objet d'examen personnel, à la fois pour Carson en tant qu'archiviste et narratrice, et pour les lecteurs et lectrices en tant qu'explorateurs. Donc, pour souligner la relativité de cette vérité, Knox utilise, à mon avis, au moins quatre techniques. La tension entre l'ordre numérique et l'ordre matériel, qui remet en question l'authenticité et la véridicité de l'histoire, comme évoqué précédemment. Ensuite, la traduction du poème 101 de Catu, qui est aussi un acte de transposition et, dans une certaine mesure, aussi de manipulation de choix. En troisième lieu, la forme poétique qui invite à une lecture affective et personnelle. Et enfin, la manipulation active et visible du matériel dans le manuscrit fictif. Et je voudrais approfondir ces deux derniers aspects. Donc, tout d'abord, la forme poétique. En effet, pour évoquer l'histoire de la vie de Michael sans prétendre à une vérité essentialiste, Carson a besoin d'une forme poétique qui puisse mettre en lumière ce qui manque aux faits. Et Knox y parvient en montrant que les faits ne suffisent pas. L'histoire réside dans l'expérience affective de l'iconothèque que la forme spécifique de Knox permet. Comme l'affirme encore Lydia Plate, déjà citée, Knox n'émeut pas seulement sur le plan émotionnel. L'œuvre fait littéralement bouger ses lecteurs et réoriente leur propre matérialité corporelle par rapport au livre. Ce projet n'est donc pas seulement lié à une manière rationnelle de traiter un concept éminemment affectif comme la perte, comme le soutien Wiesenthal, mais aussi, à mon avis, à une expérience affective du texte en lien avec sa matérialité. En effet, la lecture de l'œuvre dans son intégralité exige un effort sensible de la part des lecteurs. Au bout d'un moment, les pages de l'accordéon deviennent si lourdes et encombrantes qu'il faut faire attention à ne pas les déchirer. Et de plus, ce format accordéon exige également un certain espace physique pour déplier le texte. Le dépliage littéral de l'accordéon reflète la recherche métaphorique de Michael et l'attention méticuleuse portée aux détails, allant des agrafes reproduites aux taches d'encre, peut également donner au lecteur le sentiment de vivre et expérimenter affectivement, comme le formule Hans de Meyer et Sven Witzer, un artefact historique authentique, à savoir, entre autres, les lettres historiques écrites entre Michael et sa mère. La vérité ne peut donc pas être saisie de manière purement objective, non seulement en raison des objections post-structuralistes évoquées, mais aussi parce que ces expériences personnelles de la vérité ont une composante affective qui est pleinement exploitée ici dans le processus de lecture physique et matérielle. Donc, en ce qui concerne la dernière technique, à savoir la manipulation active et visible du matériel, Brillemurkhuurt considère que Knox est une œuvre pour laquelle la mort de l'auteur est évidente. Sa présence d'auteur est constituée des mots d'un poète mort et d'une image du passé, une impression ou un simulacre de personnel, comme s'il s'agissait d'une photographie, une œuvre fortement autographique et non simplement autobiographique. Une telle œuvre ne réintroduit pas l'auteur en tant que présence matérielle, mais poursuit sa mort telle qu'elle a été exécutée, performed, de manière expérimentale dans les avant-gardes. Donc, Brillemurkhuurt interprète ici l'autographie comme, je la cite, une auctorialité qui est du coup une paternité d'opérateur à travers une intervention mécanique. Et en fait, on pourrait même dire que nous ne regardons en fait la pierre tombale de l'auteur et non celle de Michael. Après tout, la forme de la boîte, comme l'a aussi suggéré McDonald, y ressemble. Et il s'agit d'une suggestion stimulante de la part de Brillemurkhuurt qui mérite d'être soutenue, mais qui me semble aller trop loin. En fin de compte, c'est Carson qui a décidé des éléments à inclure dans cet archive personnel et qui, en tant qu'auteur, a laissé son empreinte sur ce qui mérite d'être retenu et ce qui ne l'est pas. Comme l'écrit Paul Stevens à propos des archives dans The Poetics of Information Overload, qui autorise son contenu, qui filtre, qui est, qu'est-ce qui est préservé en son sein, qui a accès, qui peut oublier.
Et de plus, Carson semble non seulement sélectionner les informations, mais aussi les manipuler activement. Par exemple, la lettre personnelle de Michael a été retapée, apparemment pour rendre le contenu plus objectif ou moins personnel, et les fragments dactylographiés ont parfois été corrigés, à la main ou non, ce qui souligne à nouveau la présence de l'auteur en tant que manipulatrice active des archives personnelles. De plus, la lettre de la mère de Carson à Michael consiste en un collage de morceaux de texte. Et la conversation téléphonique entre le frère et la sœur est présentée sur la base d'une alternance de texte normal et gras pour indiquer la différence du locuteur, est affectueusement entourée du mot « mother » de la lettre de Michael et d'un « soon » dactylographié. À d'autres moments également, une sélection spécifique de mots, probablement ceux de Michael, est présentée de manière très visuelle, où le texte est agencé à la manière d'un collage. Il est donc non seulement question d'une autorialité dans la sélection des sources, comme c'est également le cas dans la littérature documentaire, par exemple, mais aussi d'une manipulation visible et tangible du matériel et des images, à laquelle contribue également le discours métafictionnel de Knox, qui souligne la dimension personnelle et affective de cette vision singulière de la vie de Michael. J'en viens à ma conclusion. Donc, tout cela montre qu'en tant que créatrice, Carson a bien le contrôle et revendique l'agencement. Ainsi, il ne serait pas exagéré de conclure que Knox, en tant qu'iconothèque personnelle mais commercialisée, n'est qu'une des histoires possibles que Carson a élaborées sur Michael à partir de cette sélection spécifique de fragments, en posant la confusion de manière encore plus provocante. Nous pourrions même affirmer qu'à travers cette manipulation visible et tangible d'original matériel du carnet intime comme produit de masse numérisé, les soi-disant souvenirs de Carson s'affichent peut-être comme pas complètement véridiques ou ne reflètent peut-être pas même pas la vie de son vrai frère. Quels éléments sont réellement issus de la vie de Michael et quels sont ceux qui sont des constructions littéraires? Où se terminent la biographie et l'autobiographie et où commence la fiction? On nous laisse deviner. Donc, pour revenir à la question principale, peut-on vraiment parler d'un récit? Vers la fin, nous lisons que « I never arrived at the translation I'd have liked to do of poem 101. But over the years of working at it, I came to think of translating as a room, not exactly an unknown room, where one gropes for the light switch. I guess it never ends. A brother never ends. I prowl him, he doesn't end. » Knox n'est donc pas un récit à proprement parler, car la présence de la base de données est trop importante pour cela. Toutefois, il s'agit d'une œuvre conceptuelle que j'interprète comme une œuvre littéraire qui met au premier plan ses propres processus de composition, car Knox nous montre comment les histoires, dans ce cas, sur Michael, sont créées. Knox nous montre le récit at work. Ce projet conceptuel qui consiste à montrer comment les histoires sont construites est soutenu visuellement et physiquement par la forme du Leporello, qui invite affectivement les lecteurs et les lectrices à se joindre à l'histoire, à la manipuler physiquement et à la vivre. Grâce à cette expérience affective mais décrisante de l'histoire de Michael, qui reste une figure insaisissable et donc littéralement intraduisible tout au long de l'œuvre, Carson a réussi à capturer la surface d'un fait émotionnel. Pour obtenir cet effet, l'iconothèque transpose et manipule également le matériel, tant au niveau des images que de la traduction du poème de Catulle, afin de créer ensuite une confusion supplémentaire sur l'origine de l'œuvre en numérisant le tout. Ainsi, l'œuvre remet en question les notions bien ancrées d'authenticité. Et la plus grande contribution de Knox est donc peut-être que l'œuvre démontre qu'en ce 20e siècle numérique, dans lequel nos personnalités sont construites, distribuées et étendues sur des plateformes numériques, nous pouvons également raconter une histoire authentique à l'intersection des formes de représentation numérique et analogique. Je vous remercie.